alors que s'inscrivent les notes de Juliana Najdenova, très brièvement, 25,250, me semble-t-il. Elisabeth Paisieva se présente au ballon pour la Bulgarie. Cela va très très vite, cela s'enchaîne très rapidement, il n'y a aucun temps mort et désormais les musiques ont l'air de partir, tout va bien. Des chorégraphies de cet exercice du ballon mettent l'accent sur l'expression corporelle en regardant la grâce d'Elisabeth Paisieva. On comprend évidemment pourquoi. On peut noter tous les éléments de souplesse au ballon qui sont l'élément dominant de cet enchaînement. Et donc la gymnaste doit faire plus d'éléments en souplesse que de saut, que d'équilibre ou que de tour. J'avoue que j'ai un petit faible pour cette gymnaste parce qu'elle a bien su utiliser le code de pointage et en gardant un petit peu de chorégraphie, ce qui est très très difficile. Excellent. Excellent, excellent passage pour Elisabeth Paisieva qui pourrait peut-être venir prendre la tête d'une compétition actuellement menée par Anna Bessonova pour l'Ukraine, la première des concurrentes que nous avons vues, qui est pour l'instant créditée de 9,8. Elle précède l'italienne Laura Zacchilli avec 9,75. Nous allons accueillir Almudena Sittostado.